Bonjour de Naples Fantastique. Après vous avoir présenté les plages de Naples, celles de Procida, maintenant c'est au tour du nord et du sud de Naples. Dans la description YouTube, vous trouverez d'autres vidéos pour vous donner des idées de baignade à Naples et dans ses environs. Au nord de Naples, on atteint avec le train Cumana la longue plage de Miliscola, très fréquentée en haute saison ainsi que les week-ends. À 20-30 minutes de voiture, le littoral de Licola, au nord de la ville, offre de nombreuses plages de sable fin. Parfois, des problèmes dans le système de d'épuration ne permettent pas de se baigner dans la mer. De ce fait, beaucoup d'établissements balnéaires adoptent l'option plage ou piscine. Les photos qui se réfèrent à Licola sont celles de l'établissement balnéaire Les Dune. Ce sont toutes des plages privées avec des tarifs modestes. D'habitude, il faut payer de 10 à 12 euros pour l'entrée, le parking ainsi que le transat inclus. Le parasol, quant à lui, d'habitude est à 5 euros. Souvent, il est interdit d'apporter son repas car des self-service sont présents sur place. Allons maintenant vers le sud et la côte sorrentine pour commencer, qui a de très petites plages à part la petite ville de Meta di Sorrento. La plage principale de Meta est faite en sable fin. Vers la montagne, ce sont par contre des galets que vous rencontrerez. Les principaux établissements balnéaires sont Resegone, côté sable, La Conca et Golden Beach, côté galets. Il vaut mieux réserver à l'avance. Le dîner est très bon à La Conca, avec en plus le coucher de soleil en prime. La plage publique est quant à elle un mouchoir de poche. En ce qui concerne Sorrente, empruntez l'ascenseur à la Villa Comunale qui vous descend jusqu'à la mini-plage. Les établissements de bain sont sur pilotis. Les meilleurs sont Leonelli et Peter. Presque tous les hôtels d'un certain standing ont une piscine et une plage privée. Mes préférés sont le Royal, le Bellevue et Sirene, le Lorelei Londres et l'Excelsior Vittoria, où fut composée par Lucio Dalla sa merveilleuse chanson Caruso. Après Sorrente, si vous aimez les rochers, vous pourrez descendre vers les bains de la Regina Giovanna, qui est aussi une aire archéologique. L'eau est claire et très propre. Il faut y aller tôt pour avoir un bon emplacement. Aucune restauration sur place. Pour y descendre, depuis la route, il faut compter environ un quart d'heure. Quelques kilomètres plus loin, vous trouverez la descente sur Marina di Puolo. La plage de Marina di Puolo est bordée de nombreux restaurants qui louent aussi des transats ainsi que des parasols. Je vous conseille les restaurants San Rafael et Capuozzo, où nous nous sommes rendus plusieurs fois et nous en avons été très contents. Le parking est à 5 minutes de la plage, un petit peu en montant. Prévoyez aussi des chaussures pour rentrer dans l'eau, car il y a sable et galets. La descente suivante porte à Cala di Puolo, une petite plage de galets publique, ainsi qu'une plateforme avec des transats et des parasols, dont les prix vont de 10 à 15 euros selon la saison, plus 5 euros pour le parasol, parking inclus. L'accès à la plage ou en pleine mer se fait par un escalier. L'eau est très limpide. Si vous avez prévu de faire l'excursion à Punta Campanella, dont le lien est dans la description YouTube, munissez-vous de bonnes chaussures de marche, de crème solaire, ainsi que de beaucoup de bouteilles d'eau. Je vous conseille de vous y rendre surtout tôt le matin ou en fin d'après-midi. À un certain point de la descente, sur votre droite, un petit sentier descend à la plage microscopique de Mitigliano. La pureté de l'eau et le calme en valent la peine. Par contre, la montée est très dure sous le soleil. À Mitigliano se trouve aussi un petit bar qui vous offrira éventuellement un petit peu d'eau, des boissons fraîches et des sandwichs. Il en est de même pour la baie de Hieranto. Elle est magnifique, c'est une baie de sable appartenant à une zone protégée. Depuis le village de Nerano, comptez 40 minutes à pied sur un sentier un petit peu difficile. Au retour, un petit arrêt au bar est de rigueur afin de déguster un sirop de lait d'amande que l'on appelle en italien latte di mandorla. Si vous aimez énormément la nature, vous serez absolument enchanté. Surtout sur la côte amalfitaine, n'hésitez pas à demander au batelier sur le port
ils peuvent vous emmener dans de très belles criques auxquelles on n'accède que par la mer. En ce qui concerne la partie sud, c'est-à-dire la côte amalfitaine, la Costiera Amalfitana, comme pour la côte sorrentine, de nombreux hôtels ont leur propre piscine et parfois une plage privée. La première crique est Recomone, à côté de laquelle le restaurant très cher de Conca del Sogno a une plateforme avec des lettini, donc des lits et des parasols. Le tarif pour la saison 2022 est de 30 euros par jour, lettino plus parasol. Les plages plus abordables seront dans ce cas-là Positano, surtout composé de galets, Amalfi, dont le parking situé à Trani a une sortie directe sur Amalfi par un tunnel piétonnier. Ensuite, nous avons Minori, Maiori, Erche. À Minori, faites une halte repas, glace ou gâteau, chez Salderiso, chef pâtissier mondialement connu. Son restaurant est au bord de la route et en été, ils installent aussi des tables sur la promenade. À Erche, tout tourne autour des anchois que l'on sert à toutes les sauces, frits dans des cornets ou à l'apéritif avec des amuse-gueules. À Erche aussi, il y a une plage avec une partie privée et une partie publique. À quelques kilomètres de Vietri sul Mare, dans le sens Amalfi-Salerne, sur la route côtière, c'est-à-dire la SS 163 au numéro 53, vous le verrez sur votre GPS, vous trouverez un parking. Arrêtez-vous à ce parking et un petit peu plus loin, sur votre droite, vous trouverez un petit escalier assez raide. Descendez les nombreuses marches qui amènent jusqu'au Lido a Carteira, qui est un Lido privé, ayant aussi un petit restaurant et une plage microscopique, mais la mer y est d'habitude très limpide. Pour vous rendre à Amalfi et dans les localités à peine citées, empruntez avec votre véhicule le Valico di Chiunzi, qui met Amalfi à 45 minutes de Naples. Pour terminer la côte, la ville des céramiques, Vietri sul Mare, vous propose une immense plage de sable fin, privée pratiquement à 95%. À côté de Vietri se trouve la grande ville de Salerne, et au sud de Salerne jusqu'à la localité de Pestum, dont les temples sont très célèbres et je vous conseille vivement de les visiter, les lidos se touchent littéralement. Les prix sont excellents, les plages longues et faites de sable. On trouve aussi des plages publiques. Sur les côtes sorrentines et amalfitaines, vous pouvez louer des zodiacs, des bateaux à moteur avec ou sans skipper, des canoës, des pédalos ainsi que des paddles. Je vous invite à contrôler à l'intérieur de la description YouTube toutes les vidéos pouvant vous servir ainsi que des notions d'italien qui vous seront utiles pour vos vacances, pour vos déplacements ou pour votre loisir. Je vous remercie infiniment pour votre visite. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Je vous remercie de parler de ma chaîne ainsi que de mon site naplesfantastique.com avec vos proches, avec vos amis et de partager sans modération. Grazie mille, alla prossima volta.